Je vais dans un resto qui s'appelle le Georges à Paris. Et je suis avec une amie qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça et fait elle rentre pas. Je fais pourquoi? Non, 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 là c'est pas sérieux. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la journée et c'est certainement le mien, à chaque fois c'est de plus en plus rare, que je me livre au jeu du compteur à mensonges. Ce jeu a été inauguré par mon tout premier cadreur, l'ex-sosie officiel de Nicolas Karabatic, et nous l'avions consacré, je crois, à une interview de Macron. Consacré à la crise de l'effroyable pandémie ou quelque chose comme ça. Et depuis, à intervalles réguliers, mais trop peu souvent dernièrement, il faut que nous nous y remettions, nous nous livrons à ce jeu de deviner le vrai du faux, à l'instar de Voici, je crois que c'est le journal d'investigation populaire qui, dans les premières pages, liste des rumeurs avec un taux de vraisemblance. Eh bien, c'est exactement ce que nous nous apprêtons à faire, sans plus attendre. Et je me suis dit, c'est intéressant de savoir qui autour de moi est qu'à payer son billet, tu vois. Et je me tourne comme ça, je dis à un mec, alors vous faites quoi dans la vie? Et le mec il me dit, je suis boulanger. Il fait, ouais, j'ai 6000 boulangeries ou 8000 boulangeries en Asie. C'est quoi cette histoire? Alors, toujours les ordres de grandeur. Est-ce possible d'avoir 6000 boulangeries en France? Ça me paraît très très compliqué. J'ai bien compris qu'il était en Asie. Excusez-moi, pardon. Je ne suis pas aussi intelligent parfois que mes commentateurs qui devinent tout avant. Donc, en France, un petit ordre de grandeur en calcul mental rapide, 60 millions de personnes, 6000, ça fait, si je ne m'abuse, un millième de 60 millions, ça ferait 60 000. Donc, 6000, ça ferait une boulangerie sur 10 000 personnes, sachant que dans un immeuble de grande ville, il y a peut-être une quarantaine de personnes. Donc 3-4 immeubles, ça fait 100 personnes. Donc pour arriver à 10 000, 100 000, 10 000, ça veut dire 300-400 personnes. Donc ça veut dire 300-400 clients par boulangerie. Oui, ça voudrait dire que le type a l'équivalent, dans une superficie bien sûr beaucoup plus large, de l'ensemble des boulangeries françaises. Ça me paraît légèrement exagéré, mais pas complètement impossible. Direct et calcul mental oblige, c'est pas tout à fait ça. Mais on n'est pas loin. Il y avait en France en 2019 plus de 29 000 boulangeries. Et probablement un petit peu moins aujourd'hui. Son ami aurait donc un cinquième des boulangeries françaises, ce qui est d'autant plus plausible. Puis il commence à me raconter, il me dit voilà, j'ai toujours été passionné par le pain. À 16 ans, il se met à travailler. Et comme il est pas con et qu'il avait un bon environnement familial et tout, il a fait en autodidacte des formations de chimiste, il a travaillé avec son père, il a fait une machine à pain qui a cartonné, il a ouvert des boulangeries, explosé. Tu ne dirais jamais à personne qui veut. J'en peux plus des erreurs de participe passé, mais bordel de merde, il a explosé ER, putain, mais avant de parler, avant d'écrire, remplacé par un autre verbe, est-ce que vous diriez il a vendre ou il a vendu? Il a jouir ou il a joui? Bon, et bah sachez que même des gens qui a priori ont une orthographe satisfaisante, comme par exemple Bibi, on la vérifie cette règle de temps en temps. Et on le dit pas et on s'en plaint pas. Donc arrêtez de dire que vous n'avez pas l'énergie de le faire. Mollusque. Devenir multimillionnaire ou milliardaire, ouvre une boulangerie, frère. Ouais. Et pourtant, vaut mieux être le meilleur à la boulangerie qu'un mec moyen à faire des smart. Alors je ne saurais pas ce que sont des smart co, peut-être des smart contact ou des voitures smart. En tout cas, cette première anecdote d'Oussama Hamar, à un détail près d'ordre de grandeur, me paraît vraisemblable. Moi, je la valide, hein, je suis désolé, je suis objectif. C'est ce que me reprochent à la fois mes amis et mes ennemis. Que quand mes amis en ont après quelqu'un et ils veulent que je les soutienne, il m'arrive parfois de les modérer en disant, bah écoute, pardon d'être l'avocat du diable, mais si je me mets à la place de l'autre, je me dis que je comprends également son raisonnement. Et puis mes ennemis ne tiennent pas compte de mon impartialité et pensent que je suis une espèce de mascue de base, alors qu'au contraire, j'essaie toujours de voir dans les deux camps. En l'occurrence, vous pensiez, à tort, que j'avais une antipathie ou une acrimonie pour Oussama Hamar. Un, vous n'en savez rien. Et deux, cette anecdote me paraît parfaitement vraisemblable. Je pense qu'il y a un zéro en trop et je pense que c'est plutôt 600 boulangeries que 6000, mais on a tous comme ça. On a tous un petit peu amplifié les chiffres dans une histoire. Jetez-moi la pierre si vous ne l'avez jamais fait. Et quant au potentiel économique des boulangeries, quand on a habité comme moi le sud de la France, on sait très bien que parmi les copains les plus riches du collège et du lycée, c'était les enfants des pharmaciens et des boulangers. Voilà. On partait pas au même endroit en vacances, on n'avait pas la même place à l'arrière de la voiture, et on n'aurait pas les mêmes opportunités tout de suite. Après, je me les suis fabriquées par le travail, la persévérance et tout ce qu'on veut.
Mais le chiffre d'affaires des boulangers dans le sud, si vous en doutiez, vous demandez à mon expert comptable, il vous le confirme, hein. Ils ont les chiffres. Hein. Donc, anecdote de la boulangerie, en ce qui me concerne, validée. Si vous pensez que ça fait de moi un oussamarien ou un oussamariste, attendez les suivantes quand même. Hein. Calmez-vous, réfléchissons. Un mois, je passe 48 heures à Paris. J'arrive, je m'assois sur un banc, je suis au téléphone, et là, je me fais voler mon sac. Je vois un touriste espagnol, je dis « Ouais, t'as vu quelqu'un ?» Il me dit « Non, non, j'ai rien vu et tout », il se barre. Je rentre à la maison, je suis déprimé, j'ai plus de passeport. Là, vous me sentez prompt à bondir et vous me sentez prompt à le tacler au niveau de la cheville, sur le physique, évidemment, qu'il a sur la table. Eh ben, je ne le ferai pas, d'abord parce que le physique, c'est trop facile. Et là, en l'occurrence, il n'y aurait vraiment pas de mérite. Et le pied sur la table, oui, c'est assez agaçant, mais à sa décharge, encore une fois, je vais peut-être me convertir, je vais peut-être me faire gouroutiser en direct. On m'a fait le même reproche dans une série de podcasts que nous tournions avec mon ex-directeur de la publication, symbolique évidemment, on n'allait pas chercher des statuts, quoi que ce soit, c'était un titre honorifique, avec Léo, le directeur de la publication, un jour, dans un appartement en dernier étage, le long du canal, dans le 10e arrondissement, et une journée de canicule, et on suffoquait, et j'avais enlevé mes chaussures, et à un moment, sans y penser, mon pied s'est vu dans le cadre. Et je me suis fait lyncher symboliquement, enfin virtuellement. Et c'est vrai que, alors à l'époque, évidemment, ça ne m'avait pas plu, j'avais râlé, mais le voyant là, c'est vrai que à la fois le rapport de conscience corporelle et de message transmis n'est pas trop en la faveur de celui qui met le pied sur la table. Donc Oussama, c'est pas cool, mais on me l'a fait, j'ai commis cette erreur, on m'en a tenu rigueur en montant. Bon, voilà, c'est pas très grave, mais voilà pourquoi je ne le tacle pas à la gorge. Sur ce sujet, tout le monde. Oui, il se barre. Je rentre à la maison, je suis déprimé, j'ai plus de passeport, j'ai plus d'argent, j'ai plus de carte bleue, je suis dans la merde, tu vois. N'importe qui d'autre, à ce moment-là, l'histoire s'arrête. Moi, je suis pas pareil. Donc. Attends, j'ai plus d'argent, j'ai plus de papier, sachant que donc il n'est plus résident. Donc, on parle d'une époque où il n'est pas ou plus résident français, pas de passeport, donc il sous-entend qu'il ne peut pas rentrer ou partir quelque part. Bon, après. Vidéoscopie, vous connaissez le concept, l'idée c'est de ne pas croiser des informations externes et de ne pas croiser ce qu'on a pu lire, entendre ou penser au préalable sur la personne. À 3h du mat, je trouve un moyen de localiser mon ordinateur. 8h du mat. Oui, alors tu trouves un moyen, en fait, c'est tu as certainement un Apple, et dans l'Apple, en fait, la fonction localiser, elle est native. Les produits Apple se reconnaissent entre eux, donc je peux demander à mon ordinateur où se trouve mon téléphone ou et slash où se trouve mon iPad. Et puis si ça ne le fait pas en natif, on a un AirTag, donc ça n'est pas une prouesse technologique particulière. Le matin, je suis au commissariat, je débarque, et je dis aux flics, voilà, l'ordinateur est ping, allez, deux voitures, on y va, on récupère mes affaires. Le flic, il m'a dit, ouais, tu t'es cru où, là, dans un western? On commence à s'engueuler, et on s'engueule tellement que je me prends une amende de outrage à l'agent. J'appelle mon pote, je lui dis, t'as une voiture? Il me dit, ouais. Je dis, viens me chercher, on va à Évry-sur-Seine. J'arrive à Évry. Alors, cette anecdote est arrivée trait pour trait, mot pour mot, à un ami, voilà, qui s'appelle Julien, qui en passe le bonjour s'il regarde ça. Il y a plusieurs années, dans le premier arrondissement, il s'est fait piquer son portable, il s'est fait cambrioler. Il a localisé son portable et les flics ont refusé d'aller... Alors, la localisation, c'était pas évidemment au mètre carré près. Ils avaient l'immeuble, l'information de l'immeuble dans laquelle se trouvait le truc. Et ils ont refusé d'aller faire une petite visite dans l'immeuble ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, tout ça me paraît d'autant plus plausible que je connais quelqu'un qui a vécu l'asymétrique. J'arrive à Évry, et là, je tombe sur qui? Le fameux touriste. Je dis c'est lui, machin, on s'engueule et tout. Au bout de 4 heures d'embrouille, les mecs finissent par m'expliquer qu'ils ont jeté mon passeport dans la rue. Je leur dis, bon, si vous n'avez pas mon passeport, vous me rendez mon ordi, mon argent. Ils me rendent mon ordi, mon argent et tout. Je récupère mes affaires, je rentre à Paris. 12 jours après, quelqu'un qui a trouvé mon passeport dans la rue. Ouais, là je commence à moins y croire, d'abord parce que tu ne me sembles pas être en mesure de menacer physiquement des voleurs, a fortiori plusieurs, et en plus parce que tu parles de rentrer à Paris alors que tu t'es fait voler justement à Paris, donc à la limite tu pourrais dire je rentre dans la ville V, ça commence à sentir moins bon cette histoire. Je récupère mes affaires, je rentre à Paris. 12 jours après, quelqu'un qui a trouvé mon passeport dans la rue m'envoie un message. Je remercie le Twitos qui a mis en ligne ces vidéos. La coupure est un peu violente, donc je lis pour la continuité. Et je récupère mon passeport. Voilà. Donc, voilà, celle-ci, j'y crois à moitié, on va dire. On va lui mettre un demi...
Si on était sur 10, je dirais 8 sur 10 la première fois, et je dirais là, plutôt 5. La partie courir après les flics, oui. La partie courir après l'ordi, oui. La partie, par contre, je le récupère par la seule puissance de mon verbe. Un petit doute, là. À faire semblant que la plupart des bons élèves sont quand même des gens assez soumis, quoi. C'est-à-dire soumis ? Bah, ils sont soumis à l'autorité, ils respectent les règles, quoi. Ils sont là dans la classe, en silence, à regarder devant le prof qui donne le savoir et tout. C'est la mort, tu veux. D'ailleurs, tous les... moi, je le dis, hein, les instituteurs et les profs du système français sont tous des collabos. Là, il n'y a pas vraiment de vérité ou de mensonge, c'est une opinion personnelle. Je penche plutôt de ton avis à 7 ou 8, en tout cas pour les écoles soumises à la tutelle de l'éducation nationale. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les systèmes d'éducation alternatifs type Montessori ou autre, je n'en sais rien. Ou la fameuse école pour surdoués là, qu'on a vidéoscopée l'année dernière et envers qui j'ai tenu ma promesse de les aider. Et bon, pas envie de raconter la fin parce que c'est déprimant, mais on va dire qu'ils ne m'en ont pas vraiment su gré, hein, comme d'habitude. Bizarrement, ils ont tout le temps qu'il faut avant de recevoir le virement, puis quand ils ont le virement, hein, ça ne répond plus, hein, chère école de je ne sais où, là. Donc oui, effectivement, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a peut-être pas eu le courage de citer lequel des deux genres, car il n'y a que deux genres, lequel des deux genres est le plus concerné par ce caractère laborieux, concentré, et soumis, et passif, et scolaire. Ce sont les filles. C'est pour ça que les filles ont des meilleures notes à l'école, ce qui est attesté et valorisé par toutes les études. Et c'est pour ça, par contre, qu'elles performent moins dans le monde du travail, parce que dans le monde du travail, la soumission dessert. Donc ça les sert d'un côté, et on souligne à volo leur intelligence supérieure, mais quand ça les dessert au travail, on ne souligne pas tout à coup leur sous-performance, on souligne que c'est le système qui est injuste. Encore une fois, les vidéoscopies, c'est plein de surprises, à condition, je répète, de se départir de ce que l'on a su, lu, vu ou entendu des gens. Parce que moi, j'en pense pas moins, et je vous raconterai à la fin de la vidéoscopie une anecdote qui ne devrait pas avoir sa place ici, sauf que je ne reparlerai jamais de cette personne, donc je vais là quand même la faire enfreindre ma propre règle et contextualiser. Mais je vous raconterai ma première et unique expérience avec l'écosystème Oussama Hamar et l'incubateur de start-up de Family que j'ai rencontré en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça, à l'ouverture, c'est en 2014 je crois. Faire très 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 attention quand on est mon ennemi, parce que j'ai toujours beaucoup moins à perdre que tous les gens autour de la table. Et les gens se rendent pas compte d'où je viens. Les gens se rendent pas compte. Ils imaginent des choses sur moi, des trucs, ils se font des fantasmes. Mais en fait, mon bonheur à moi, si demain je vivais sur le canapé d'un ami, que j'avais plus un rond, que j'étais un loser, que personne n'aime, je pense que j'aurais le même niveau de bonheur. Oui, alors ça c'est évidemment une énorme... Vous allez savoir ce que je pense dans un instant. La semaine dernière, faut que je vous confie un secret, j'avais du retard. Alors, par les temps qui courent, on ne sait plus exactement de quel côté de la barrière on habite, je me suis inquiété, je me suis dit, je suis peut-être enceinte. Could I be pregnant? Ouf, heureusement, test négatif, ce n'était qu'un retard dans l'annonce du cadeau VIP du mois. Bah oui, je vous ai annoncé le cadeau VIP de février, à savoir un mois gratuit de la formation Vivez ce que vous aimez. Je vous l'ai annoncé le mardi à 19h et l'offre se terminait mardi à minuit. Donc vous avez eu raison de râler, c'était un petit peu tard, je m'en excuse. Pour me faire pardonner, cette fois-ci, vous avez le mois entier. Voilà, prolongation de l'offre, un mois du programme Vivez ce que vous aimez, offert en échange d'un abonnement VIP. C'est jusqu'au 31 mars à minuit. Voilà, cette fois-ci, vous avez... près de 3 semaines. Oui, alors ça, c'est évidemment une énorme connerie. C'est faire preuve d'une espèce de présomption d'ubiquité en se disant, voilà comment je réagirais dans telle et telle situation. Toi, tu te bats mieux que moi, c'est très bien. Moi, j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Bon, moi, j'ai envie de renvoyer toujours à la citation de Mike Tyson. Tout le monde a un plan jusqu'à prendre un poing dans la gueule. Et quiconque s'est essayé au sport de combat, c'est qu'on s'imagine virevoltant et on s'imagine avoir des réflexes de fou. Et le jour où on se prend une droite d'un mec de 90 kilos entre les sinus ou sur l'arcade ou dans le foie... Et bien dans les secondes qui suivent, on se rend compte que le cerveau ne fonctionne plus.
et qu'il n'est plus de question de bonheur et qu'il est juste question d'avoir mal. Et ça, c'est pareil. Rien n'atteste et rien ne prouve que cette personne ait connu la situation de dénuement qu'elle décrit. Et c'est très puéril. Et ça ne parle qu'aux petits-enfants, en fait, aux gens qui n'ont aucune maturité mentale, de dire « voilà comment je réagirais dans telle et telle situation ». Si vous n'avez jamais été agressé, ne prétendez pas « telle serait ma réaction en cas d'agression ». C'est un petit peu comme le coach mental de... Quel militaire ? Je crois que c'est le Major Gérald qui racontait ça dans un podcast. Il disait que son escadron, enfin je sais pas comment on appelle ça, son bataillon, son équipe, avait reçu la visite d'un coach mental. Et que quand il a fallu se livrer aux exercices physiques, le coach a dit « je viens ». Et quand il a fallu sauter de l'avion avec le parachute, ils ont tous sauté, sauf le coach mental à la performance. Voilà. Donc, Oussama, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu as connu le dénuement. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, pas plus que les autres, tu ne peux prétendre nous décrire comment tu t'en sortirais. Voilà. Ça n'existe pas. Et c'est de la prétention puérile, voilà, avec une belle allitération en P. L'argent, c'est une dopamine qui n'est pas ouverte à tout le monde. Par exemple, l'un des grands drames de ma vie, c'est que j'ai jamais réussi à être fondamentalement excité par l'argent. Moi, j'aime l'argent pour de mauvaises raisons. J'aime l'argent non pas pour ce que l'argent apporte, mais pour ce que l'argent permet de faire. Il y a une grande différence entre vouloir dépenser de l'argent pour faire plus et vouloir de l'argent pour avoir de l'argent. Moi, à titre perso, j'ai toujours dépensé plus d'argent que j'en ai jamais gagné. Ouais. Bah oui, ce sont des propos de café du commerce. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est un moyen et pas un but. Bah c'est vrai. Factuellement, ce sont des opinions communes, entendues. Ce sont des truismes sur l'argent. Donc là, on n'est même pas dans le vrai ou faux. On est dans le hors-sujet pur. J'imagine qu'il y a plus pertinent dans ces conférences parce que je ne recours pas au procédé de l'ennemi. Quand on extrait de mes travaux privés un extrait d'une minute un peu plat, car forcément sur des conférences de 6 heures ou de 3 heures pour la demi-journée, 6 heures pour la journée, vous imaginez bien qu'il y a forcément des minutes où je ne suis pas où je suis tout sauf exceptionnel, eh bien pareil, on pourrait dire « c'est trop cher ». Eh bien, je ne recourrai pas à cette perversion rhétorique, non, je lui donne le bénéfice du doute, j'imagine qu'il a plus pertinent à vendre, et je suspends mon jugement, voilà. Je suspends mon jugement sur cette assertion qui est très creuse, mais qui ne peut pas être la seule, car je l'ai déjà entendu dire des choses plus pertinentes que cela, voilà. Mais évidemment, jamais le camp d'en face n'a la même objectivité avec moi, malheureusement. C'est que vous regardez les temples grecs, ils sont tous écroulés. Si vous allez à Rome et que vous regardez le Colisée, c'est quasi intact. Et en fait, c'est dû à une différence d'éducation. Les Grecs, pour devenir architectes, passaient 15 ans d'études en maths. Puis on leur faisait construire des trucs et donc ils les construisaient dans les... On leur faisait FE, mais mon Dieu, mais où va ce pays ? Concentre-toi ! Je ne sais pas qui sous-titre ou qui surtitre, puisque maintenant les sous-titres ne sont plus en dessous. On était déjà objectivement nul en maths, on est objectivement nul en français, on est objectivement nul partout. C'est dramatique. Enfin, revenons au sujet. Les Romains apprenaient l'architecture par l'artisanat. On devenait architecte en construisant des choses. Donc on construisait des petites choses, et puis quand on était bon, on construisait des choses un peu plus grandes. Évidemment, les Romains ont écrasé les Grecs. Alors le Colisée, je le vois à peu près tous les jours. La Grèce, j'y suis allé. D'abord, c'est quand même pas tout à fait la même époque. En plus, c'est pas tout à fait les mêmes conditions sismiques. En plus, c'est pas tout à fait les mêmes matériaux. Celui qui a le mieux tenu finalement à Rome, c'était le Panthéon, stipendié enfin sous la tutelle du, comment il s'appelait, le bras droit de l'empereur Auguste, c'était Agrippa, je crois. Et le Panthéon tient pour des règles justement mathématiques de largeur et parce qu'on a évidé la surface supérieure dont pouvait éventuellement venir le problème. Donc il y a une question de rapport largeur-hauteur, il y a une question de hauteur, il y a une question également de centre de gravité. Donc me dire que les Romains construisaient à l'expérience et que les Grecs construisaient à la théorie,
c'est au mieux une simplification, au pire une connerie. Donc là, c'est du 1 sur 10, là. Enfin, c'est une énorme absurdité. Que je suis gros, les gens pensent que c'est parce que je fais pas attention à ma santé. Ça fait très longtemps que je suis conscient du problème. Il s'avère que c'est pas un problème d'alimentation. Je mange pas beaucoup et pas en dehors des repas. C'est pas un problème. Oui, et ça, c'est un peu à l'instar de la théorie de la sidération. C'est un petit peu la même engeance. C'est très contemporain, c'est la théorie de « je ne suis pas responsable de mon corps ». Je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Alors que tous les grands, qui en plus vivaient de leur corps et de leur image, tous les grands maîtres de l'interprétation, du théâtre, etc. Prenez Louis Jouvet, considéré par la moitié des acteurs jusqu'à il y a quelques années comme le grand théoricien de la mise en scène, du théâtre, de la voix, etc. Je crois que c'est lui qui disait, à 40 ans, tu es responsable de tout, y compris de ta gueule, de ta propre gueule. Attends, je t'arrête Stéphane, c'est pas Louis Jouvet, mais Léonard de Vinci, cette citation. Louis Jouvet, lui, disait de l'âge de 40 ans, à partir de 40 ans, t'en vaut l'homme, t'en vaut l'acteur. Mais dans une ambiance, dans un bain de psyrose ambiant, il est plus confortable de se dire que c'est notre propre génome qui travaille contre nous. Bon, moi j'ai déjà fait l'expérience, hein, en vacances, j'ai dit à mon copain, un vieux copain qui se plaignait tout le temps d'avoir du poids en trop, on était parti aux États-Unis à San Francisco, il y a une quinzaine d'années, et je lui ai dit, on reste 15 jours, 13-14 jours, tu manges exactement comme moi, et je ne me prive de rien, et tu verras que tu auras perdu 2-3 kilos. Là je fais du Oussama parce que je cite des chiffres en fait que j'ai oubliés. Je lui dis, tu auras perdu du poids, je ne sais plus exactement combien, voilà, pour être précis. Et effectivement, il a perdu du poids en choisissant comme moi, et il a bien vu que ça n'était pas, que ça n'était pas en avalant de l'air, en buvant de l'eau. Ce sont évidemment un certain nombre de grignotages, enfin d'évidence, mais pour avoir des clients à la fois dans la médecine et dans la nutrition. Je parle de la nutrition sérieuse, hein. Je ne parle pas des vendeurs de compléments alimentaires sur Instagram. Je te parle d'un nutritionniste diplômé qui travaille à l'hôpital en Suisse, qui plus est, qui n'est pas forcément le pays le plus laxiste en termes de diplôme. Eh bien, il me dit cette gangrène mentale est infernale, car quand il s'attaque au régime alimentaire des gens, les gens t'expliquent qu'en fait, ils sont gros, mais c'est indépendant de leur régime alimentaire. Et là, ma source, c'est pas t'inquiète, ma source, c'est un médecin diplômé en nutrition en Suisse, voilà. Les gens imaginent que je suis un gargantuan dans l'excès et tout. D'ailleurs, ça me fait toujours rire, les gens qui me rencontrent et qui ont ces images, parce qu'ils sont toujours très étonnés, mais bon, c'est pas important. Mais effectivement, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes de métabolisme, de vésicule biliaire, en fait, j'ai un certain nombre de problèmes hérités, un très mauvais microbiome, qui ont été identifiés il y a longtemps. Oui, alors là, c'est très difficile de ne pas recourir à ce qu'on sait, parce que moi, je l'ai croisé au restaurant, ce monsieur, et puis je connais des anciens amis à lui. Donc, faisons abstraction de tout ce que je sais, un phénomène est le fruit d'un terrain et d'un événement, d'accord ? Une maladie est le fruit d'un terrain qui vous prédispose à l'avoir et d'un événement qui a permis à la bactérie ou à la cellule de dégénérer, de gangréner, de se reproduire. Il faut les deux, en fait. Les deux sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes en soi. Donc oui, tu as peut-être un terrain à développer des cellules graisseuses, mais jamais, jamais, au grand jamais, tu ne me feras croire qu'elles se développent en mangeant des légumes, en buvant de l'eau et en faisant de l'exercice. Non, ça, faut quand même pas te déconner. Mettez-moi au cachot si vous voulez, mais je ne transigerai pas avec ça. À un moment, faut remettre l'église au milieu du village, quoi. Prof à Sciences Po, il y a 10 ans, une fois, j'ai fait un exercice avec mes élèves. J'ai acheté des... J'avais vu ça dans un article du New York Times ou je sais pas quoi. J'avais copié là le truc. J'avais acheté sur eBay des... Pas sur eBay, de cette boutique à 1 euro. J'avais acheté une vingtaine d'objets. Okay. J'avais donné un au hasard à chaque élève. Je lui dis, tu vas sur eBay et celui qui vend l'objet le plus cher... Ouh ! Il a gagné. Intéressant. Et l'écart type, c'était 1 à 800 euros. Pourquoi ? Parce que la différence entre celui... Alors, il ment sur les chiffres, probablement. L'écart type n'est pas aussi grand, mais vous savez que l'exercice de vente sur eBay, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, et c'est la meilleure... Salut, coach YouTube, qui est mon on fait des compétitions de profil eBay, de qualité d'emballage, etc. Acheter et vendre des objets de niche, des objets techniques, hein, pas des pantalons, des objets de niche, des objets techniques sur eBay est la meilleure formation à la psychologie humaine, au commerce et à l'économie. Donc là, je sens que je vais approuver. Celui qui vendait 800 euros et celui qui vendait 1 euro,
c'était pas la qualité du produit. C'était que des trucs achetés à 1€, machin. C'était sa capacité à raconter une histoire. Oui, c'est absolument vrai. C'est tellement vrai que je me rappelle quand je finançais mes allers-retours en Allemagne, c'était en 2001-2003, donc j'avais 25 ans, en achetant des radios, enfin des appareils audio de niche qui avaient plus ou moins de cotes, donc j'achetais des trucs qui avaient moins de cotes en France et je les revendais là-bas où ça coûtait quelques centaines d'euros de plus, et vice-versa, j'achetais sur eBay allemand des marques type Revox, type Blaupunkt, type Nagra, des marques allemandes, suisses ou autrichiennes, qui se trouvaient moins chers là-bas, donc je les ai achetés sur eBay Allemagne, qui refusaient de livrer. Je profitais de mon week-end chez ma copine pour les ramener avec moi dans l'avion, car à l'époque, ils étaient moins regardants sur le nombre de sacs, donc je suis passé avec 2-3 amplis dans des sacs en papier dans l'avion, et je les revendais sur eBay français, quelques centaines d'euros de plus, qui me payait tout le week-end avec ma copine quand j'avais pas un rond, quand j'avais 25 ans. Donc l'écart type de 1 à 800, c'est faux, c'est de 1 à 8. Par contre, je me rappelle notamment sur un tuner qui était un Luxman, un tout petit Luxman qui devait être... je crois même que j'ai encore la photo, je crois que c'était un Yamaha T1 ou un petit Luxman. Je me rappelle que je l'avais vendu tellement au-dessus de la cote par mon storytelling que le vendeur suivant, donc quelques semaines plus tard, il y en a eu un autre à vendre, m'a copié l'annonce et j'ai écrit au vendeur en disant « ça n'est pas fair play, c'est mon texte » et auquel il a répondu que je n'avais pas de propriété intellectuelle dessus. Et effectivement, dans un monde du e-commerce où les photos sont moches et les textes sont nuls, quand vous faites des belles photos et des beaux textes, vous vendez plus. Et ça, c'est un excellent conseil de droite à donner aux jeunes qui font notamment des trucs genre babysitting, etc. Il y a beaucoup plus fin que passer 8 heures à garder des gosses pour 8 euros. Il y a notamment s'y connaître dans un domaine de niche. Et sur un appareil de niche reconditionné, on peut gagner un mois d'argent de poche sur une opération. Voilà. Et encore une fois, c'est pas de... y a une valeur ajoutée, ça n'est pas que de l'achat-revente. La valeur ajoutée, c'est la connaissance. C'est un petit peu comme un antiquaire. Un antiquaire a une valeur ajoutée par sa qualité de choix. Voilà. Pour recomposer l'inventaire d'un antiquaire, en allant sur des brocantes, il vous faut des mois ou des années. Voilà. Donc vous payez également le discernement du professionnel qui a identifié les objets et sa connaissance des gens susceptibles de les remettre en état, parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'appeler le SAV de Darty. Donc là, je suis 10 sur 10 là avec lui. Plus grosse lacune à l'international, bah, ça commence par ce truc complètement con de croire qu'il faut bien parler une langue pour la parler. Par exemple, moi, je fais plein de vidéos en anglais sur YouTube. Les seuls gens que ça fait rire, c'est les Français. La seule nationalité qui met sur YouTube un commentaire sur mon accent en anglais, c'est les Français. Il a absolument raison. C'est 100% vrai. Et ça, je le tiens d'un client juif qui, il y a longtemps, m'a dit... On parlait d'une histoire de... Je sais plus ce qu'il voulait... C'est une sorte de SAV. Enfin, il fallait appeler un pays dont on ne parlait pas la langue. J'avais un souci avec je ne sais plus quel fournisseur dans je ne sais plus quel pays. Et je lui ai dit, tu ne connaîtrais pas un avocat qui parle telle langue ? Et il m'a dit, c'est bien une réflexion d'ici. Il m'a dit, chez nous en Israël, je peux te garantir qu'ils chercheraient trois mots dans le dictionnaire, ils maîtriseraient trois mots et ils appelleraient le mec et ils se feraient comprendre. Et j'ai dit, mais non, on parle d'une langue, je sais pas, c'était le. Je sais pas où, enfin une langue totalement. C'était pas une langue commune, pas une langue anglo ou saxonne. Et il m'a dit, mais non, t'as pas compris, ils se débrouilleraient. Et je suis effectivement d'accord. Les Français sont nuls à l'international dans toutes les langues, notamment parce qu'ils éprouvent une espèce d'orgueil mal placé. Just be you, be proud of you, because you can be do what we want to do. Ils ont honte en fait, et non, on s'améliore dans une langue qu'on ose la parler. Bon, je suis arrivé en Italie, je connaissais pas un mot, j'étais pitoyable au début, mais j'ai osé. Et généralement, les étrangers vous en savent gré. Voilà. Donc, encore une fois, je suis, à ma grande surprise, d'accord avec lui. J'ai fait des discours à United Nations, à l'Assemblée Générale. Alors oui, oula, on se calme. Ils sont où ces discours ? Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Parce que je suis désolé, au 21e siècle, tu fais un discours aux Nations Unies, le truc, il est en ligne. Donc, je ne vais pas aller vérifier parce que ce n'est pas l'objet de la vidéoscopie, mais là, j'ai un doute. Diplomatique pour représenter la délégation française. Ouais, dans la délégation peut-être. Française, les mecs étaient stressés de leur accent. Alors, tout à l'heure, il nous disait qu'il n'avait plus de papier français, qui machin. Bon,
Il est de quelle nationalité? Il a combien de passeports? On ne sait pas. Il fait partie sans doute de ce peuple cosmopolite. Juste après que la délégation indienne passe sur scène, ils disent... Et le mec, il dit, pourquoi il fait son discours en indien? Non, c'est de l'anglais. Mais lui, contrairement à toi, il n'est pas passé par 20 ans de traumatisme à l'école « Where is Brian ?» Et donc, il n'a pas de truc. Et c'est un truc de dingue, hein, parce que évidemment, les mecs qui se moquent de mon accent en anglais et qui sont français, ils n'ont jamais fait une conférence en anglais, où que ce soit de leur vie, nul. Non, il a raison. Je lisais ce matin sur Twitter le phénomène de burn-out des youtubeurs, et beaucoup espacer leurs publications, voire arrêter, notamment McFly et Carlito, que j'ai taclé en leur temps. Et pour le coup, j'ai beau les avoir taclés en leur temps sur une prestation particulière, pour le coup, je comprends parfaitement ce qu'ils disent, parce que les gens qui ne s'y sont pas adonnés n'ont aucune idée de ce que représente le divertissement. Si vous n'avez jamais fait une BD, vous ne savez pas que ça prend des années pour un truc qui se lit en 30 minutes. Si vous n'avez jamais écrit un livre, vous ne savez pas que même un roman, vous ne vous rendez pas compte du travail que ça représente. Si vous n'avez pas été visible en vidéo pendant des années, toutes les semaines, vous ne vous rendez pas compte du travail que ça représente de prise de vue, de problèmes techniques, d'investissement, de montage, de cadrage, de machin. Donc, à la nuance près des Nations Unies, je valide. Voilà. Donc, on mettra les comptes à l'écran. Là, je valide à, on va dire, à 7 sur 10, parce que les Nations Unies, j'y crois pas. Mais si c'est vrai, je validerai à 10 sur 10, et on fera les comptes à l'écran. Un super pouvoir, vraiment, que j'ai développé avec les années. C'est avant d'aller dormir, je réfléchis au problème que je veux résoudre. Et la personne célèbre la plus apte à résoudre ce problème, et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves. Concrètement, tu rêves de... Ouais, concrètement. Avant de dormir, je vais me mettre en état profond, en me dire, putain, Zuckerberg, là, il faut que tu m'aides. C'est juste... Enfant, comme ça, j'ai commencé enfant. Bon, je crois que quand t'étais enfant, Zuckerberg, il était également pas forcément sorti de l'œuf. Mais oui, ça m'étonne pas. Moi, j'ai participé à un groupe de méditation pour accompagner une amie qui ne jurait que par ça. Alors, j'ai pas adhéré, mais les scénarii qu'il nous est demandé de se mettre en tête et de visualiser sont beaucoup plus absurdes que celui-ci. C'est-à-dire que des coachs certifiés en transe méditationnelle je sais pas, cul sur la commode, ont dit devant moi, je l'ai entendu, qu'il fallait se représenter... immense en statue dorée, tel le colosse de Néron, qu'il fallait se représenter entouré de gladiateurs faits pour nous protéger, qu'il fallait se représenter un escalier sans fin qui descendait en soi. Est-ce qu'un escalier sans fin qui débouche sur un colosse de Néron avec notre tête posée dessus comme des glands? Ma vie a changé après une phrase. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Est-ce que c'est plus ridicule que s'imaginer un algorithme de Zuckerberg qui vient nous résoudre un problème? Non. Je ne trouve pas ça insensé. CIA a arrêté un enfant de 14 ans qui fabriquait une centrale nucléaire dans son garage et qui n'a pas compris pourquoi il se faisait arrêter. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a quand même un enfant qui a réussi à constituer une centrale nucléaire à fission dans son garage, et c'est en essayant de s'approvisionner en uranium qu'il a été arrêté. Et vous imaginez, quand on raconte l'histoire, on se dit mais c'est pas possible. Mais sauf que, un, les parents ils ont rien vu, deux, le gamin il comprend pas pourquoi on peut pas s'approvisionner en uranium, et trois, il se demande toujours ce qu'il a fait de mal. Ça serait trop facile d'aller chercher à valider ou invalider cette histoire. Ça me paraît plausible. Alors après, fission, neutron ou je ne sais quoi, je n'en sais rien, j'étais ingénieur en matériaux, pas en fusion atomique. Mais sur le principe, que des enfants, tous des garçons malheureusement, aient le talent de développer des machines qui, à un moment, échappent à la surveillance de leurs parents, à la compréhension de leurs parents, et qu'ils cherchent à un moment sur le dark web à s'approvisionner dans un matériau rare et qu'ils se fassent stopper par la brigade, je veux bien le croire. Voilà. Après, il dit pas forcément qu'il l'a connu. Non, c'est pas impossible. C'est plausible. Voilà, 7 sur 10, c'est plausible. Un mec dans un train, qui dormait, et je m'assois, et il se réveille, il regarde comme ça, il fait « où ça va, Amar ?» Je dis « ouais, puis je te déteste. » Il se dit « ah bon, mais pourquoi dans une vidéo, t'as dit que... » Alors, je peux plus citer. « Ah bon, j'ai dit ça, moi. »« Ah, pardon. » Elle me dit « tu t'en souviens pas ?» Tu sais, moi, des vidéos, j'en fais beaucoup quand même, donc je me souviens pas tout. « Ah ouais, non, mais franchement, là, c'était très grave de dire ça. » Il me parle et tout. Puis au bout de 5 minutes, je fais « ouais, en fait, non, t'as raison, c'est vrai, je suis tort. » Ouais, parce que j'adore toutes tes autres vidéos. Et c'est devenu un pote. Alors. Je suis ravi de ne pas les avoir vus en avance, comme ça je vous livre la primeur de ma réaction. C'est pas incroyable du tout. Hein. Ça m'arrive
Alors, pas quand je suis pas en France, mais quand je suis en France, tous les jours qu'on me dise « tu es machin », ce qui est moins probable, c'est qu'un hater l'interpelle, car les haters, en général, n'interpellent pas, ils sont lâches. Mais quand on t'interpelle, on te cite quasiment toujours un propos dont tu n'as aucun souvenir. Et quand tu apprends, par des moyens détournés, les raisons qui ont poussé les haters à te hater, les rageux à rager, c'est souvent pour une déclaration, et moi combien, bah d'ailleurs récemment, un certain Jean-Marie Corda a fait une vidéo sur moi en disant qu'il m'a détesté pendant des années. J'ai toujours détesté Stéphane Edouard. Pourquoi ? Parce que j'avais dit, bon, à part que manifestement ça énervait que j'ai une bibliothèque, mais à part ça, parce que j'avais dit à 30 ans que je voulais pas d'enfant. Dans la vidéo sur laquelle j'étais tombé, il disait qu'il voulait pas d'enfant. Et croyez-le ou non, j'ai une sensibilité là-dessus, ça me paraissait intolérable. C'était mon droit, d'abord ça ne veut pas dire que j'en veux plus aujourd'hui. C'était un avis à une époque donnée, dans un contexte de vie donné que vous ne connaissiez déjà pas. Et par cette déclaration-là, ça lui a suffi à me détester. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup sont comme ça. Il y en a un autre pareil, un client de longue date, assidu comme pas possible, qui venait à toutes mes conférences et séminaires, on va dire, de 2007-2008 à 2012-2013. Et à un moment, il a changé les notes, parce que je fais vérifier mes notes, moi, pas comme 90% des gens du web, et il a changé les notes en mettant que des notes négatives. Et il a toujours refusé de me répondre. Et par un modérateur du forum de l'époque, qui assistait également aux conférences, j'ai su qu'un jour, ne le reconnaissant pas, j'avais fait une blague sur son t-shirt. Alors, son t-shirt était un peu défoncé, parpassé, un peu abîmé, etc. Et que c'était un t-shirt qu'on avait acheté en relooking en 2007 ou 2008. Et qu'à ce titre, en fait, il m'a voué une haine pendant des années. Et donc, je valide qu'effectivement, les gens instables et fragiles d'esprit nourrissent des sentiments durables pour une phrase, un trait d'esprit ou une opinion personnelle éphémère. Donc je pense que c'est vrai. Et ce qu'il trahit, Oussama, c'est le petit coup de trop à la fin. Cette histoire est sans doute vraie, mais c'est pas devenu un pote, par contre. Ou alors on n'a pas la même définition de pote. Tu vois, c'est un mec que t'as vu une fois dans ta vie, c'est pas un pote. Et c'est ça qu'il trahit, en fait. C'est que c'est fondamentalement de bonne volonté, mais il faut qu'il en rajoute une petite surcouche de gelée royale en trop. Je vais dans un resto qui s'appelle Le Georges à Paris, et je suis avec une amie qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça et fait « Elle rentre pas. » Je fais « Pourquoi ?» Non, là, c'est pas sérieux. Ça fait 12 extraits sur lesquels, plutôt, j'essaie de me montrer raisonnable, pondéré, de prendre ton parti, de me montrer en sympathie, de me mettre à ta place en restant la mienne. Et là, tu me fais un truc pareil. Mais c'est pas... Mais Oussama, mais bien sûr que non. Non, mais ça, c'est 0 sur 10, déjà d'emblée. Non, je veux dire, un videur de resto, bon d'abord, il n'y a pas de videur au resto, il y a des videurs en boîte de nuit, mais certains lieux à Paris font exception, admettons. Le Georges, j'ai habité à côté pendant 5 ans, donc je connais bien. Là, on a dit pas sur le physique, mais toi et un mannequin, c'est pas la mannequin qui rentre pas. Non, là, tu vas pas exagérer, Oussama. Regarde les chaussures, il fait, ouais, elle a des sneakers. Je fais, mec, tu te crois en 1990, là ? Si la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui aident enceinte. Tu vas pas me dire, elle rentre pas. Le mec, il dit, tu crois que c'est toi le patron ? C'est moi qui décide qui rentre ou pas. J'ai, ah ouais ? Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur. Le directeur, il vient en courant. Non, Oussama, c'est trop. Mais admettons ! Tu as le numéro de téléphone du gérant, admettons. Hein, il faudrait qu'il te réponde. C'est-à-dire qu'il faudrait que soit il soit totalement dispo quand t'appelles, soit que ton nom soit tellement important qu'il arrête ce qu'il est en train de faire pour te répondre. Admettons. Et ensuite, il faudrait qu'il quitte les personnes en présence desquelles il se trouve pour accourir pour une question de droit d'entrée. Non, c'est pas sérieux, Oussama. Ça, c'est pas plausible, ça. Il fait, oui, monsieur Hamar, je suis désolé. Je fais, lui, là, dehors. Mec, qu'est-ce qu'il en fait ? Prends tes affaires, dehors. Non. Mais là, il s'est cru dans une série américaine. Là, il a pensé qu'on était dans The Office et qu'on prenait ses cartons et qu'on s'en allait. Non, là, c'est ridicule. C'est dommage parce que tes anecdotes de développement personnel de droite, faisant la promotion de l'effort et de l'ambition, ne sont pas inintéressantes. Mais ces petites anecdotes, cette fois-ci
personnel et pas de développement personnel te ridiculise. Voilà, allez, on passe à la dernière. Moi, je pars 3 semaines en voyage, il m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si, je prépare rien, je suis pas obsédé par réduire les risques et je dis jamais non à rien. Tu vois Oui, c'est encore une fois, ces conseils de développement personnel sont excellents. J'avais fait un podcast il y a de nombreuses années sur le fait de dire oui, d'avoir comme réponse par défaut oui, alors que le français a en général comme réponse par défaut non, et puis on verra ensuite. Moi, je dis oui, puis on verra ensuite. Et quant au fait, effectivement, que les gens préparent trop les voyages, si vous me suivez sur Instagram, et si ça n'était pas encore le cas, je vous invite maintenant à le faire. Vous savez que je pars faire le tour de l'Écosse une fois tous les 2-3 ans seul, en voiture, et que à chaque fois, je remarque que les road trips seuls quasiment n'existent plus. On ne croise absolument personne de seul dans les auberges, dans les cafés, dans les parcs, dans les balades, etc. Les gens sont tous en couple, en couple, en couple, en couple. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être radical, et ça ne veut pas dire que je vis comme un moine Shaolin. Ça veut dire que je trouve que l'épaisseur d'expérience des gens, ça me nuise avec avec booking, avec la préparation des choses, avec le fait qu'ils partent toujours avec les mêmes personnes. Donc encore une fois, on n'a pas la même posture, on n'a pas la même tenue. Mais sur le fond, je peux pas être en désaccord total. J'ai un ami, une histoire invraisemblable. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza, j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Il me dit, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive. Je dis oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah, t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi. Moi, je vois. Ouais. Non. On a tous fait des rencontres border à l'étranger. Moi, je vous en raconterai une à l'occasion. C'était au Maroc et je m'étais retrouvé dans le désert en humeur avec des coquets et qui se sont disputés. C'était de la jet set de là-bas et le mec s'est disputé avec sa nana. On s'est retrouvé planté au milieu du désert et j'entends encore le bruit du V8 du humeur qui part dans le sable. C'est là peut-être une des 2 nuits de ma vie où j'ai eu peur. Mais on reste dans quelque chose qui est plausible. Je n'ai pas rencontré le chef d'une organisation mafieuse, tu vois. C'est dommage, parce qu'il a sans doute rencontré quelqu'un qui avait un tatouage. Cette personne avait sans doute un lien avec les Yakuza, mais par contre, dans sa mécanique d'exagération, ça devient le chef des Yakuza. Et vous savez, le mensonge, quand on a connu beaucoup de femmes, c'est un art que l'on connaît bien. C'est pas tout ou rien. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens mentent absolument tous les jours par omission et par exagération. Voilà. Lui, c'est plutôt par exagération. Je lui dis, alors, t'es où dans la hiérarchie? Elle me dit, je suis un big boss. Ah non, le mec a dit que c'était un big boss, mais en fait, jamais un big boss ne s'auto... ne se révèle. Évidemment, c'est comme quelqu'un qui te dirait qu'il est espion. S'il te dit que c'est un big boss, c'est qu'il est à l'échelle... Sur un organigramme à 16 niveaux, il est entre le 14 et le 15 en bas, quoi. 9 mecs sur 10 se sont fait tuer après cette question. Trop fort. Je vous avais promis, en fin de vidéo, une anecdote sur Papy Oussama et son environnement de family. Je vais la raconter, par contre, il faudra être VIP pour la voir. Oh, c'est en train de rager dans la chaumière. Ah, c'est en train de fermer la fenêtre. C'est en train de blasphémer Nardine Lamogue vendue. Bah oui, mais un, j'ai une boutique à faire tourner. Deux, courageux mais pas téméraire. Certains des éléments que je vais raconter pourraient peut-être tomber aux oreilles de l'intéressé. Donc, je le raconterai en privé dans une vidéo réservée aux VIP. Si vous voulez nous rejoindre, c'est par là. Quand vous êtes face à un problème important, en général, il y a un certain nombre d'étapes, que ce soit un problème dans sa vie personnelle, un problème dans sa vie professionnelle, etc. On passe toujours par les mêmes étapes. Il y a une première étape qui est de bien détourer le problème, c'est-à-dire d'être capable de bien le définir, de bien l'expliciter, etc. On en est encore très loin aujourd'hui. Mais rigolez pas. Non, mais je rigole pas.